tout le monde fait la gueule. Bon, vous n'êtes pas éclaté ce soir en termes de football? C'était bien, c'était un bon match, vous êtes régalé en termes de football ce soir, ou tu penses que vous pouviez me faire quand même? Non, je pense qu'on a pris des risques, on a essayé de relancer de derrière, on a essayé de jouer notre jeu. On a eu des occasions, comme à la dernière seconde, où je pense qu'il faut décaler. Mais c'est bien, on part d'ici avec un bon nul, c'est de bonne augure pour la suite. Même si c'est vrai qu'on a senti quand même sur le plan technique qu'il y avait des bons coups à jouer ce soir quand même. Ouais, surtout offensivement, là, les dernières passes. Que... Pardon, on a les joueurs pour, et c'est vrai que la dernière passe a manqué, mais ça prouve qu'on sait jouer, qu'on sait prendre du plaisir ensemble. Je pense qu'on a retrouvé cette solidarité qui nous a manqué ces derniers matchs. Et comme je te dis, après, c'est bien pour le futur. Maintenant, il faut valider ce nul contre Lorient la semaine prochaine. C'est vrai que vous avez l'air satisfait, mais on a quand même l'impression que ce groupe-là a des qualités supérieures à ce qu'ils ont démontré ce soir. Même si c'est bien, même si c'est concret, c'est intelligent, c'est intéressant, on a quand même la sensation que vous pouvez aller plus loin dans les intentions. On peut me le faire, ça c'est sûr. On a vu la qualité en début de saison. On a un peu moins vu ces derniers temps parce que je pense que la solidarité n'était pas là. Et là, on a retrouvé un groupe, un vrai collectif, ça fait du bien. On pense aussi qu'on n'est pas un groupe de 19, il y a ceux qui sont blessés. Je pense à Thomas et Nico qui se battent pour revenir. Donc on pense à eux et à nos supporters aussi qui ne sont pas venus. Mais en tout cas, on va faire de belles choses cette année, je suis sûr. Merci à toi. Merci. Oui, les Morodes. Ça va, Morodes? Tu vas bien, tu as la forme, tu avais tes jambes de 20 ans ce soir? Ouais, toujours. C'était difficile quand même. Tu te drogues. Tu te drogues. Tu bois de l'OPO, c'est ça? Voilà, hein. Beaucoup. C'est quoi? Eau, pastis et olives. Ça va pas marcher. C'est bon pour les collègues, ça, pour Igor. On a senti l'équipe monter en puissance ce soir. On a eu l'impression que, voilà, progressivement dans ce match, même s'il y a beaucoup mieux à faire, je le sais, voilà, tu penses que l'équipe peut marquer des buts et doit marquer des buts dans ce genre de match? Ouais, c'est clair, c'est ce qui nous a manqué. On a essayé de faire circuler le ballon. Après, Bordeaux aussi a bien fermé les côtés, a fermé l'axe aussi, a joué les contres à fond. Et c'est que sur certaines situations, voilà, on aurait pu justement ouvrir le score à plusieurs reprises, mais ça n'a pas été le cas, il manquait ça aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'au fil du match, on s'est installé de mieux en mieux dans leur camp. On nous a fait beaucoup douter, mais ça n'a pas suffi. C'est vrai qu'il faut être à domicile, dans tous les cas, il faut être plus ambitieux dans le jeu. C'est vrai qu'on a senti que les organisations sont bien en place. Maintenant, il faut un peu de folie, il faut autre chose aussi pour emballer ce genre de match. Ouais, c'est clair, c'est que dans les derniers 30 mètres, on a fait pas mal de rush qui était pas mal, c'était bien. Mais je pense que dans la construction et dans le jeu à une touche de balle, on aurait pu les déstabiliser un peu plus parce qu'ils étaient très regroupés, il fallait que ça aille très vite. Et voilà, bah, ils ont bien joué le coup, mais on peut faire mieux, on progresse, on va encore progresser, je pense. Et puis voilà, on va tirer des enseignements de ce match. Vous prenez des points, maintenant il faut arriver à gagner les matchs. Je sais que Rudy voilà, est très rigoureux là-dedans, je sais qu'il aime progresser, mais il faut aller gagner les matchs aussi maintenant. Oui, c'est clair, il veut qu'on gagne soit à la maison ou à l'extérieur. Et, voilà, il y a une mentalité de gagneur et c'est important, il faut que l'équipe aussi se mette au diapason. Maintenant, voilà, on essaye de faire au mieux, mais on progresse. On est beaucoup plus solide, plus compact et plus conquérant. Maintenant, voilà, il manque un peu plus de réussite et je pense qu'avec la confiance, ça sera de mieux en mieux. Ok, merci à toi, Rod, merci à toi.